Bonsoir tout le monde, c'est Kazuki et ce soir on se retrouve pour une vidéo Halloween. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale car pour le coup on va faire un retour en arrière de 20 ans et on va se faire ensemble le Halloween de l'année 1998. Donc c'était à l'époque où j'étais encore au lycée. Avec mes jobs d'été, je commençais vraiment à avoir un bon petit budget jeu vidéo. J'étais plus obligé d'attendre d'économiser mon argent de poche et me payer un jeu PS1 tous les 4 mois. Et dans les magazines, ça faisait quelque temps qu'on voyait pas mal de publicité pour un jeu qui allait sortir pour Halloween, pour le mois d'octobre. Une exclusivité Sony, développée par un studio interne de Sony, Sony Cambridge, et qui me faisait énormément envie parce que voilà, ça faisait très Tim Burton, très Halloween, avec des squelettes, un jeu qu'on attendait énormément. Je veux bien sûr parler de Medieval. Donc ce jeu, quand il est sorti, a été vraiment un véritable carton, applaudi aussi bien par la presse que par les joueurs. Moi, j'ai passé toutes mes vacances d'Halloween à jouer à ce jeu. J'ai fait une superbe nuit d'Halloween dessus, enfin que des bons souvenirs. Et ce soir, on va essayer de se refaire un petit peu cette ambiance que j'ai pu avoir à l'époque en 98 quand j'ai inséré ce jeu dans ma PS1. Donc, il faut savoir que ce jeu a très bien marché. Ils ont sorti un Medieval 2 en 2000 qui a amélioré tout du premier. Beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus grand. Histoire sympa, mais moi je dois vous avouer quand même que j'ai préféré le premier Medieval qui avait plus une ambiance Tim Burton. Vraiment. Et ensuite, en 2005, ils ont fait un remake sur la PSP, le Medieval Resurrection, qui était très beau graphiquement, mais qui dénaturait un petit peu l'œuvre originale. Ils ont voulu changer un petit peu. On est sur du remake, bien entendu. Et personnellement, moi, même si forcément le gameplay est moins accessible, c'est moins joli, voilà, je préfère quand même le premier Medieval. Et c'est toujours d'actualité, car vous savez que Sony a annoncé un remaster 4K, on dit bien, c'est pas un remake, un remaster 4K de ce Medieval. Allez, on va se lancer ça ensemble. Retour en 1998. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Les voix entièrement français aussi. Un homme arrogant et sans pitié. Très bon doublage. Qui haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leur mœurs paisibles. Il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses, comment il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et comment, bien que mortellement touché, il anéantit le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère, et la paix s'instaura pendant 100 années. Jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Ah, déjà rien que cette intro, pas mal de souvenirs. La PlayStation et ses fameuses scènes cinématiques. Qui a pas vieilli pour le coup, c'est toujours aussi magnifique. «
Donc je rappelle que je fais pas d'émulation. Mais sur support original. Ce bon vieux sorcier Zerg va ressusciter les morts. Ça aurait pu vraiment être le début de film de Tim Burton. La petite avec sa hache. Fortesque. Cette introduction de malade. Médiévale. Et là on se dit putain c'est le jeu quand même. Allez, le réveil de Sir Daniel Fortesque. Dans sa crypte. On se souvient de la bataille où il s'est fait anéantir au premier jet de flèche. Il n'y en a qu'un qui est tombé, c'était lui. Que tu peux souffrir. Crypte de Daniel. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Gallimère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok, et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Ouais, c'est parti. Alors, analogique.
Alors, lorsque tu seras prêt à quitter la crypte, dirige-toi vers la sortie au bout du hall. Pour déverrouiller les portes, tu vas trouver une pierre de rune et la placer dans la paire de mains décorée près de l'embrasure. Tu dois être dans un piteux état après avoir passé 100 ans sur le dos. Utilise la crypte pour retrouver une seconde jeunesse. Alors, c'était encore l'époque où c'était les gâchettes pour orienter la caméra. Attendez. La garde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a beau par là? Les poignards. Ok, poignards avec ça. Hop. Reprendre, reconfigurer. Je redécouvre le jeu en même temps que vous. Voilà, c'était ça le matin. Hop. Alors, au cours de tes voyages à travers le monde de Galomer, tu resserres les objets pour consulter ton inventaire. Appuie sur la touche Select. C'est ce que je viens de faire. Pour attaquer, maintiens vos la touche carrée de la manette une ou deux secondes, puis relâche-la. Sois libre d'aller barboter dans le petit bassin, mais résiste à l'envie de nager. La flottabilité peut être problématique pour les défunts. Ouais, quand même, graphiquement, hein, on était vraiment sur du top du top au niveau de la PS1. Alors, les trésors que tu trouves sont crédités à ton compte de pièces affiché dans le coin supérieur droit de l'écran. Les pièces servent à acheter des objets chez les avides marchands gargouilles. Ah, le bouclier. C'est vrai que les armes s'usaient dans ce jeu. Allez, on est parti. Hop. Gaine de flacon de vie. Alors, retrouve Zarok en retraçant son odyssée diabolique dans Galomer. Tu trouveras la sortie des différents lieux en guettant les traces puantes laissées par sa bave magique et noire. La fameuse map où on pouvait sauvegarder. On pouvait refaire les niveaux d'ailleurs. Quand vous allez voir qu'il y a un petit aspect Metroid où on revient avec quand on a des items pour débloquer certains endroits. Allez, je joue le niveau. Le cimetière. C'est un jeu que je ne peux que vous recommander, franchement. Si vous ne l'avez pas encore fait. Allez. La chose. Ah, c'est un mix de la famille Adams, de tout ce qu'on aime dans. En tout cas, à cette époque-là, moi j'étais déjà goth. Donc, je peux vous dire que ce jeu, je l'ai ultra kiffé. Et moi, c'est le graphisme. En même temps, on va voir ce qu'ils vont faire sur ce remaster PS4. Hein. Bienvenue dans ta patrie bien-aimée de Galomer. Les morts pestilentiels se sont levés pour danser avec les vivants sans vie. Et ils veulent danser sur ta tombe. Ok. Donc on remplit le fameux calice. Est-ce qu'on peut changer quelque chose au niveau configuration du jeu? Donc on peut augmenter les voix, la musique, l'audio, stéréo, l'éclairage. Réglage de l'écran. Ok, reste avec la télé. Option de commande, configuration, vibration, courir, marcher, okay. Du classique. Et on avait tout, hein, l'analogique, la vibration, c'était vraiment top. Thank you.
qu'il y a une arène là-bas aussi. Alors, ne laissez pas un bite tué, guérit tes blessures en t'immergeant dans cette fontaine de jouvence. Pas grand chose, hop. Ah, ce jeu, cette ambiance. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte par là? Souviens-toi, rien n'échappe au regard d'un ange. Oui, forcément. La fameuse énigme. Donc là, le portail est fermé. Hop. Là, tu as le fameux calice. Il faut que là je regarde. Donc là on a ouvert là. L'objet que tu vois ici est le calice. Dès que tu te débarrasses de l'ennemi, le calice se remplit. Quand il est plein, tu peux le récupérer. Tu auras gagné l'accès au hall sacré des héros pour revendiquer une nouvelle arme. Ah, le hall des héros, c'est pas mal aussi. Pour avoir les nouvelles armes. Ah oui, forcément, il n'y a pas la bosse en dessous. Il n'y a rien. Je sais pas s'il y avait une... Il n'y avait pas de manique pour... Voilà, oh, la caméra bouge sous. Contrairement à ce qu'on pense, les caméras étaient pas si mal que ça hein, pour l'époque. C'est juste qu'il faut se remettre dans les bains. Que c'est les gâchettes qui font la caméra. D'ailleurs, le 100% sur ce jeu prenait beaucoup de temps quand même pour débloquer tous les calices. Hein. Les sous. Oui, normalement, c'est pour vendre des. Oh, putain. Voir qu'est-ce qu'on peut acheter déjà là. On peut y parler encore? Si. Ouais, des poignards. Pas très important pour l'instant. Donc là, on peut monter. On va passer par là. Thank you.
Là, on peut aller dans l'eau, mais il ne faut pas aller dans les zones profondes. N'oublie pas d'aller chercher le calice. Parce que là on est sur la fin du niveau. Escalier, est-ce qu'on peut redescendre? On a fait le tour. Parfait. Hop. Allez. Hop. Le hall des héros nous attend, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Le monde des vivants se trouve au-delà de ces portes de crâne. Le maître du mausolée de la colline, le démon Vitrail, détient la clé. Ok. Donc ça, c'est une porte où on reviendra plus tard. Je vous ai dit, en plus, il y avait un petit aspect Metroidvania bien sympa. Il fallait revenir dans les niveaux avec certains items. Obligé de refaire les zombies. Bienvenue dans le hall des héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à mains nues. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Ou pas. Alors, qui c'est qu'on va trouver? Ah, c'est lui qui brille. On voit les autres encore. Ils sont invisibles. Regardez là. On n'y est pas encore à World of Heroes, mais on voit qu'on commence à apparaître. Alors on va parler à... Hop. Capitaine Fortesque, c'est moi, Team Le Rusé. Comment ça se passe, la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok lors de Kardok. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. On peut refuser, mais aucune utilité de refuser. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Allez, un petit arc. Allez, hop, on est reparti.
Le brouillard de guerre va disparaître. Hop. Sauvegarder la progression, oui. Ben oui, je suis sûr. Allez, donc là on voit que le calice est validé. Allez, la colline du cimetière. On va se faire encore 2-3 minutes et on se quittera, je pense. J'espère que ça vous aura mis la bonne ambiance nostalgique. Ah oui, tout en haut de la colline. Allez, les gargouilles. Jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Si tu le dis. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Les musiques aussi, putain. C'est une tuerie ce jeu. Ah, ce qui obstrue le passage peut parfois être dégagé à l'aide de massues et d'autres armes. Essaye un peu. On va trouver la massue dans ce niveau. Il faut la massue pour pouvoir entrer. Alors, de grands intérêts archéologiques. Détruis la grosse pierre, ramasse les trésors à l'intérieur. Ah là là, les cimetières, allô. Le jeu parfait, quoi. Non, ça peut être rigolo ça. Si je me rappelle bien, que les meubles. Aïe. On n'a pas encore le speed, il me semble. Il me suit ou pas? Eh bien. Il peut avoir me suivre. Ça c'est fait. Donc là on peut racheter des lunes. Alors là c'est bon. C'est vrai que là il n'y a pas accès non plus. Donc il y a le trésor, mais j'ai pas la masse. Il reviendra quand on aura la masse. Thank you.
Donc je suivrai ça. Arrêtez cette putain de saut là. Nous avons fait des fous à notre maître. Ouais, c'est ça, rendez-vous. Putain, ça fait du bien. Ah, parce qu'il me dit bon. Un rite avantageux pour l'aventurier d'explorer minutieusement une région, des endroits cachés offrent de grandes récompenses. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cette vidéo d'Halloween retour en 98 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et moi je vous dis, Gianni! わがままなら人だなら